Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Je vous salue dans le web, monsieur, de notre Seigneur. Comme vous le savez, je suis ici devant vous pour vous donner des informations du jour. Information du dimanche 16 février 2014. Tout d'abord, nous allons prier, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Nous donnons cette annonce éternelle dans le but de faire avancer ton œuvre. S'il y a un observateur maléfique, toute personne qui se servira pour déshabiller ton œuvre, qu'il soit frappé et qu'il confesse de son nom. Que tu es Seigneur. Père, nous te disons merci. Amen. Le dimanche 16 février 2014, Dieu, par sa grâce, a permis à son missionnaire, à son serviteur, de nous donner un enseignement sur le thème suivant. Dieu regarde au cœur. Thème donné par le missionnaire Solo Daniel, que je demande à garder très très fort. Le texte est tiré du livre de 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Le verset 16 était le verset de méditation. Et ce jour, le dimanche, le frère Ovi Fidèle était à la diligence. 51 enfants, 80 femmes, 48 hommes, donne un total de 169 personnes. Le mercredi 19 février, nous avons brisé les activités des observateurs maléfiques. Et ce jour, soyez en sûr, ceux qui étaient peuvent en témoigner. Donc, je demande aux frères et sœurs de vraiment se rendre massivement à ce culte du mercredi. Amen. Maman Diaou, la servante de Dieu, je demande d'acclamer très très fort. Elle a conduit ce moment et le missionnaire Paul Pajo était à la diligence. 22 hommes, 51 femmes, 16 enfants, pour un total de 89 personnes étaient présentes. Nous rappelons aussi que les cultes de mercredi ont effectivement réuni. Alors, frères et sœurs, venons et répondons à cet appel, parce que ça y va de notre bien, de notre délivrance. Si vous êtes d'accord avec moi, comme le Seigneur. Nous disons merci à nos frères et sœurs qui sont là pour entretenir ce temps. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alors je demande à toute personne qui veut faire partie de ce groupe, de cette équipe, de vouloir s'adresser à notre papa ici présent, papa André. Est-ce qu'on va acclamer notre papa? Le frère Kaou, le responsable de cellule de Couette, invite ses frères et sœurs à s'y rendre à leur culte qui se passe à Couette. Cadieu pour être chez M. Kaou, chez la sœur. Ok. Alors, ceux qui sont au Bouet, votre cellule a répondu. Alors, rendez-vous au Bouet. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent ici pour la première fois? Est-ce qu'il y a des frères qui nous rendent visite ici pour la première fois? Veuillez avancer s'il vous plaît, que le Dieu les acclame, les encourage, parce que nous sommes très contents de vous recevoir ici sur la main. Frères et sœurs, soyez bénis. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir ici sur la main. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Ici, c'est la meilleure cité, la grande cité. Et il y a encore une qui est là-bas.
La chaîne, il faut le dire, c'est dans la maison de ton papa. On va voir. Hein? Est-ce qu'on peut la clamer? Et cette maison qui vous accueille aujourd'hui, c'est la BRC, la mission évangélique de la résurrection et de l'élection. La BRC vous dit à quoi? Amen. Et nous allons demander les nouvelles. D'abord, frère, nous commençons par vous. Vous avez demandé votre nom, vous dites qui vous invitez, donnez votre impression sur le but de ce matin, et nous dites si vous êtes passé ou bien vous restez avec nous. Amen. C'est quel nom déjà, frère? Donc, moi, c'est Francis Nouval. Qu'est-ce qu'on dit pour le frère? Bon, je suis invité de Jean. La sœur Jean. Jean Yari. Jean? Sandrine. Ah, la sœur Sandrine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur? Et comment t'as trouvé le culte ce matin? Bon, c'était bien. C'était bien. Dans son ensemble. Et qu'est-ce que t'as plu particulièrement? L'adoration. L'adoration. L'adoration t'a fait péché. Et est-ce que vous souvenez que la parole de Dieu t'a aussi. Amen. Amen. Le frère, je demande comme ça, si vous restez avec nous, bien sûr, vous allez passer. La soeur vous l'a invité, vous avez vu un peu, on laisse maintenant la paix aussi. Bon, je suis de l'église, je vous dis, c'est les hommes. Amen. Une fois qu'elle va vous l'inviter, vous serez ici avec nous. Amen. Laissons pas quand même votre frère. Que l'église soit bénie. Quel est votre nom? Mon frère, frère, la vie, Patrick. Qui vous a invité? Invité par le frère, le bonhomme Abraham. Le bonhomme Abraham. Est-ce qu'on parle d'un peu de Seigneur? Et comment t'as trouvé le culte ce matin? Très parfait. Le moment de louange. Le moment de louange. Vraiment touché. Est-ce qu'on parle d'un peu de Seigneur pour notre frère? Comme tout a plu. Tout était parfait. Alors quelle est la décision finale? Il reste ici avec nous, ne soyez pas salés. Amen. Et une fois que le frère Abraham est invité là, il sera parmi nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le frère? Merci. La sœur soit bénie. Quel est votre nom déjà? Qu'est-ce qu'on dit pour le sœur? Soit bénie, la sœur. Et si tu es invité ce matin, ma soeur, est-ce qu'on peut accorder le Seigneur pour notre soeur? Comment t'as vu le culte ce matin? Comment? C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu es ici? Tu as compris du tout la soeur? Amen. Merci bien. La sœur soit bénie. Quel est votre nom? Combien est ici? Jessica. Qu'est-ce qu'on dit pour nos sœurs? Et qui t'a invité ce matin? Madame Lévi, est-ce qu'on peut accorder le Seigneur pour notre soeur? Et comment t'as vu ce matin? La parole de Dieu, tout était bien et parfait. Amen. Alors, quelle est la décision finale? Je reste ici avec nous. Elle va accompagner la soeur le jour. Amen. Est-ce qu'elle accompagnera toujours la soeur pour louer le Seigneur avec nous? Est-ce qu'on peut accorder notre Dieu? Alors, tout à l'heure, le Seigneur de Dieu va vous prendre. Thank you.
gloire. Ce matin, nous voulons te les confier. Et nous prions que, véritablement, tu sois le roi de la vie de chacun de ces deux. Car il déclare que si toi, l'Éternel, tu veux bâtir la maison, celui qui bâtit, il bâtit l'enfer. Mais je prie que réellement, Seigneur, tes enfants s'appuient sur toi dans toute chose. Dans la prise de décision, Père, donne-leur de pouvoir se lever à toi. Dans tout ce qu'ils font dans leur vie, Seigneur, donne-leur de pouvoir se lever à toi, Seigneur. Que toi seul, tu sois leur boussole. Les conduise dans le droit chemin. Gloire et honneur que soit le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais dire vos places tout à l'heure, dans le recevoir ici. Les places qui vous ont été. Alléluia.